D'abord, oui, l'art n'est pas une puissance, d'abord. L'art n'est pas une puissance. L'art participe de tout. La peinture participe de toutes les atrocités et les beautés du monde, et de social ou autre. Mais les syndicats, la télé, tout ça, les partis politiques sont des puissances. L'art mène des batailles. Mène des batailles. L'abstrait contre le figuratif, le géométrique contre le lyrique, le body art contre le conceptuel, etc. etc. C'est des batailles pour rire. C'est très sympa, mais c'est des batailles pour rire. Alors, l'art, par contre, il peut faire des guérillas, oui. Il peut faire des guérillas dans les galeries, dans les musées, dans les têtes, dans les consciences, ou à l'intérieur même des artistes. Mais je pense que ce qui est totalement engagé, c'est ce qu'on fait de neuf. Ça, de neuf. Ah, quand on invente quelque chose, même un petit caillou blanc, tout petit, parce que l'art engagé tel qu'on le connaît, traditionnel, ça s'appelle le réalisme socialiste, ça n'a aucun intérêt. Aucun. C'est le jdanovisme, c'est tout ça. Ça n'a jamais cassé les briques. Tandis que tout ce qui est neuf, c'est ce qui reste de noble dans le monde de l'art. C'est la preuve même qu'on peut changer quelque chose. Alors ça, c'est important. Ça, je pense que c'est important. Voilà. Moi, je suis d'une génération, d'une époque où les peintres avaient un pouvoir qu'ils n'ont plus. C'est fini. Non, ce sont les marchands et même les financiers. Quand arrive mai 68, on avait déjà l'habitude des assemblées générales, du collectif, de discuter ensemble. Et on était prêt tout de suite à faire quelque chose, bien sûr. Les peintres ne peuvent pas. Ce n'est pas eux qui font la révolution. Ils font la révolution dans la peinture. D'accord. Ils aident à montrer, à incarner l'idée qu'on peut changer les choses. Mais ce n'est jamais eux qui sont au départ. Par contre, on peut, si on se sent, si on se sent de ce bord-là, si on se sent que notre art participe des problèmes sociaux, etc., eh bien oui, on s'engage derrière une chose, mais pas à l'initiative, non, je ne pense pas.